D'abord, on doit grâce, Seigneur Jésus, pour ta parole esprit, ta parole vivante, ta parole la vérité, ta parole le commencement, ta parole la fin. Ta parole crée toutes choses. Moi, je loue toi, Seigneur, pour la révélation de ta parole qui éclaire nous. Merci pour ta parole qui illumine les nous les cœurs. Merci de ta parole qui révèle nos plans. Merci de ta parole qui comme un marteau qui brise le roc. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui dirige nous, qui conduit nous. Merci pour ta parole qui commande des lieux, qui lave nous, qui purifie nous, qui sanctifie nous. Merci pour ta parole qui commande du feu, qui consume, qui brille tout bas nos vêtements, qui choses qui parviennent de toi. Merci, Seigneur Jésus, d'envoyer ta parole, de guérir, de délivrer, de restaurer. Merci la foi créée dans nos cœurs par la puissance de ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui glorie. Nous lis ta parole là où nous pensons, là où nous les cœurs, là où tout ce qui t'appartient. Ta parole Jésus est dans l'autorité finale dans nos vies. Moi, louer toi la parole de ta grâce pour la parole du royaume qui est dans le pouvoir pour sauver nous, pour délivrer nous. Moi, louer toi pour sa parole qui nous chérit dans nos cœurs là. Nous vous dire comment David nous sert de parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes tous dans le nom de Jésus. Moi, c'est Pasteur Jérémien de l'Église Adventiste des Montagnes Blanches. C'est un argent, c'est un grâce pour nous rassembler dans le nom de Jésus, pour prêcher la parole de Dieu et pour passer un moment béni. Avant qu'il nous faut écouter la parole de Dieu, on peut redire le sujet. Moi, j'aimerais nous lire un verset, Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2, le verset 8. La Bible vient de nous être sauvés par la foi et non pas par nos propres actions, et ça vient de cadeau de Dieu. Vous savez, le souligner, c'est un mot, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Quand on peut adorer, quand les dames ont le bon Dieu, même temps, ça va être là, puis tourner dans mon équerre. Pour moi, l'église Montagne Blanche, un leader qui bon Dieu filmé dans nos côtés, tout ce qui peut aider nous au niveau technique, et même dans Maurice, ou bien André Maurice, tout ce qui aide nous dans la prière. Pas mal de cellules, pas mal de différents moyens, financièrement aussi, pour faire ce qui est besoin dans l'église. Bon, pourquoi pas dire, c'est un cadeau qui vont dire évidemment. Bon, ne pas mériter, c'est un cadeau. Si on l'a débouté, capable de prêcher la parole de Dieu, c'est un cadeau. It's a gift from God. L'église, pour moi, qui vont dire qu'il est établi, pour qui, dans qui mon capable travaille, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Merci pour tous ceux qui pétionnent semaine après semaine et ceux de l'église avec les montagnes blanches. Moi, bénis eux, moi, bien content eux, moi, bien attendre quand pour une ouverture, pour qu'ils nous capables résonner. Et tous les jours, moi, prie pour eux, moi, bénis eux, moi, quoi, je suis en bonne santé, je suis en pleine forme. Merci Seigneur, merci Jésus. Avant qu'on écoute la parole de Dieu, laissez-nous faire nous laisser, nous mettre en main, que nous les guérons, nous dire Seigneur Jésus, mort et fils, l'amour, prématuré. Mort et fils, cauchemar. Mort et fils, accident, mon fils, COVID-19, dans le nom de Jésus, mon commande, mon pensée, mon liqueur, mon latitude, mon âme, mon imagination, une captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Mon confessé, Jésus-Christ est le Seigneur de mon vie, Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurices. Nous pouvons multiplier, nous pouvons très nombreux, nous pouvons très puissants dans ce pays. Moi, multimillionnaire qui est généreux. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Tous ceux de l'église Montagne Blanche, là, même dans la maison, on peut dire bien fort que la Bible dit Genèse 40:28, mon argent pour retourner dans vos poches. Allez, tu veux plus fort, Dieu, que la Bible dit Genèse 40:28, mon argent pour retourner dans vos poches. Qui la Bible dit Genèse 31:41? Mon la paye pour venir 10 fois plus. Bon point de résultat pour venir 10 fois plus. Qui la Bible dit dans Genèse 50 et le verset 20? C'est qui ben là, il pensait du mal pour faire moi, bon Dieu, tout ça, pour maudit bien.
Que la Bible dit, chapitre 28, verset 18. Je vais faire un nonier. Allez, frère Hans, bien fort. Même si tu n'as pas un règle sur moi, c'est une allée de tomber. Après, tu vas faire un nonier qui mérite l'amour. Je me rappelle un seul depuis Italie, puis raconter un témoignage. La terre est tremblée, là-bas, il peut écouter le message. Quand la terre est tremblée, il dit, hé, je vais faire un nonier qui mérite l'amour. Il peut écouter le message, l'appétit de son équerre. Je vais faire un nonier qui mérite l'amour. Amen. Qui la Bible dit, Ecclésias 3, verset 11. Bon Dieu, fais toutes les choses. Joli dans ce temps, complet, parfait, glorieux dans ce temps. Amen. Qui n'a plus de Dieu de nom, mais droit. Ni la sorcellerie, ni la divination, pas capable tout ce mois. Qui la Bible dit, Exode 14, 14. L'Éternel est pour combattre pour moi. Dieu pour la guerre, pour défendre moi. L'Éternel est pour combattre pour moi. Et pour terminer, mon Jésus, qui la Bible dit dans Jean 19, et les versets 10 et 11. Covid. De peinant aucun pouvoir le moi. Amen. Ce n'est pas ce verset qui nous fait répéter comme un perroquet. Non, mon frère, mon Seigneur. C'est un verset qui, quand nous peut répéter, quand nous peut confesser, nous peut croire là-dedans. Et chaque fois que nous confessons la parole de Dieu, nous appliquons la foi là-dedans, quelque chose arrive. La Bible, c'est en confessant qu'on parvient. Nous peut confesser, mais nous ne pouvons pas venir. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de mon sujet aujourd'hui, c'est Dieu de nous la main exercée. Dieu de nous la main bien entraînée. Dieu bénit travail nous la main. Dieu bénit travail nous la main. C'est un des versets du verset qui, pour faire presque 20 ans, me confesser, me trouve ça âgé de ma vie et me donne ce verset-là. Beaucoup de gens qui me expliquent comment vous appliquez ce verset-là, comment vous comprenez ce verset-là. Il y a beaucoup de jolis témoignages. C'est un frère qui fait travail comme chef dans un hôtel. C'est un pasteur. Nous pouvons organiser un grand dîner pour quelqu'un important. Je ne pas trop connaître la main et un peu trembler. Je ne vais pas trop connaître comment vous préparez, ça va être un repas, ça va être un menu là. Je vais un petit peu hésiter. Première fois, je vais besoin de faire manger pour autant du monde. Je vais dire, ok, je vais donner ça verset là. Dieu peut exercer la main. Dieu peut nous donner la main exercée. Tu vas mettre quantité de riz, quantité de dalle, quantité de sel, quantité de tissu, quantité qui vise. Il faut quantité qui vise. Après, il y a un témoignage, pasteur, ou pas pourquoi. Ça va être tellement incontent. Je vais mettre un joli compliment et je vais mettre un joli remarque quand je vais quitter le journal. Ça veut dire ça. Dieu n'exerce son armée au combat. Je me rappelle une fois, je prends l'auto pour un coup de mécanicien. Le mécanicien n'a pas pu comprendre quel problème l'auto là. Après, quand on diagnose, après, on comprend que c'est un problème de ce cerveau. Au-delà, c'est un cerveau. Parce qu'on appelle ça cerveau. Donc, une fois que le mécanicien n'a pas pu comprendre, moi, dans mon équipe, je dis Seigneur, donne-moi une armée exercée. Donne-moi une armée exercée pour faire ça. Après, tu m'as demandé de réussir, correct, le don correct. Dieu. Quand de nous, un lame exercé, un lame entraîné, ne peut pas faire de grandes choses. Si vous trouvez sa photo qui nous filmait aujourd'hui pour sa réunion-là, on écrit aussi Bon Dieu, béni travail nous lame, nous ne pas sans un désir, nous faire vivre une oasis, faire vivre une zone. Moi, quelqu'un qui me fait hâte, me fait hâte, me dessiner jusqu'à HSC. Chaque fois, je suis là pour dessiner. Je me rappelle une fois, pour toi, je ne vais pas te compter dessiner, je ne vais pas te dessiner. Et là, je fais une prière. Je me dis, Seigneur, si tu es capable, toi, de faire un coucher du soleil autant joli, de mettre tout ça coulé là dans les. Si toi, Seigneur, de faire la nature autant jolie, d'un super grand artiste, tu es capable d'exercer mon âme pour peindre, pour faire la peinture, pour faire art. Et aussi, par la grâce de Dieu, je suis capable de dire, Dieu bénit travail mon âme, Dieu demande la main exercée, je suis capable de faire art. En passant, de Dieu prêt. Attention, je ne pas fait quoi. Alors ça, là c'est mon madame qui me fait, qui me supervision. Et ça, c'est qui moi me le faire. Qu'est-ce que c'est ce il y a 2 semaines. Je vais trouver bien Hans. À ce rivante, il y a 2 jours. Je vais trouver bien Hans. Assez près là. On va aller pour là. Ok. Ne savez pas fait quoi au son. Et une dessinée. Ça veut dire ça. Dieu de nous a la main exercée. Je vais vous donner encore un exemple. Avant que nous devions verser la Bible, je vais vous donner encore un exemple. Je me rappelle, 2-3 jours, vendredi. Vendredi, un pasteur sur son téléphone. Pasteur Juin nous fait besoin d'un LED. Le pape connaît comment monter un gros appareil qui nous fait gagner au niveau caméra, avant de faire comme ça. Mais si vous connaissez, alors mon téléphone, toi qui gagne, ben si je ne pas connais. Je dis ok. Alors, mon téléphone pasteur, ce garçon, que j'ai connu, mais pas trop. Je ne vais pas payer un personnel, je vais attendre samedi pour faire ça. Et là, je me dis ce matin, laisse-moi prier. Moi, je prie pour lui. Et je me rappelle quand je vais prier pour lui, je confesse ça. Bon Dieu, pour donner toi un âme exercée.
Bon Dieu, pour nous donner la main exercée. Ce qui te pas qu'on fait, tu peux maîtriser ça, tu peux qu'on fait ça. Tu peux montrer les autres du monde comment faire ça. Mon frère, mon Seigneur, samedi, on a avec moi un recording. Merci Seigneur, merci Jésus. Ah, on peut dire recording, on peut penser, on peut mettre nos recordings on. Merci Jésus, merci Jésus. Voilà. Samedi, on a avec moi un message recording pour dire, pasteur, merci pour la prière que vous faites là. Nous récitons tout ce qui est bizarre et nous pouvons aller. Dieu, capable, exerce nous la main. Je te guette la main. Je te guette la main. Je te dis à moyen de la main, exercer. Je te redis à moyen de la main, exercer. N'importe quand on va faire des affaires. Moi, je me demande ça dans mon avis, après, moi, pour continuer à expliquer là. Hein. Je me rappelle aussi, comme tu peux faire à l'université, nous tenons trois modules électroniques. Electronics 1, Electronics 2, avec un autre électronique en cours. Dans sa partie électronique, nous tenons par le laboratoire pour mettre ban. Comment on appelle ça? Ban board. Mettre ban board, mettre ban cathode, neutre, ban bulb, diffil, ban gates. Je ne suis pas trop content de faire ça. Je me dis, madame, je suis content de programmer, je ne parle pas de faire mon peu besoin de faire ça. Voilà, tu as besoin de faire ça? Parce que ça, ils vont te donner 0N, les computers avec 0N. Bon, finalement, je ne peux pas faire comprendre comment connecter. Je prie, Seigneur, donne-moi une intelligence exercée. C'est tout ça? Verset là, pour dire nous, te donne-moi une main exercée. Moi, je pense à verser la Bible, je me dis, Seigneur, donne-moi un brain trained, exercised. Je me rappelle que tu peux commencer la guitare. Je me rappelle que tu peux commencer la guitare. Je me rappelle que tu commences la guitare. Bien sûr, je ne vais pas jouer comme a fait Christophe ou bien ben, les autres qui jouaient extrêmement bien, qui m'ont apprécié énormément. Mais moi, je joue juste pour ma douleur, mon Jésus. Alors, je me fais commencer à parler que fait Christophe. Et je viens à cross sa vie là. Mon Dieu exerce mon armée au combat, mais dans la bataille. Mon Dieu, Seigneur, demande la main exercée pour me capable de jouer. Quand je fais ça la prière, je me demande comment capable de commencer un peu plus vite, qui me va les autres camarades. De sorte que, n'importe quand vous montez un piquant sur la guitare, la prière qui m'a fait, le Seigneur, tu es capable de donner la main, et les doigts exercés. C'est ce que je voulais qu'il doit écrire. Si un jeune ou un grand du monde peut apprendre la guitare, peut apprendre le keyboard, n'importe qui peut apprendre aujourd'hui. Le Seigneur, capable de faire la main exercée, intimement au café. Je te dis gloire à Dieu. Je te dis gloire à Dieu. Je te dis Seigneur, demande la main exercée. On va couper tous les jours, de temps en temps. Quand on est là pour couper, c'est ce qu'il m'a fait. On met mon lens chef, on met mon gros costume blanc chef. Pas costume, c'est un lens blanc chef, mettez, on met mon tablier. Après, moi, pour prier dans mon lycée, je demande la main exercée là. Ah, moi, pour faire. On peut couper un bon macaroni avec ce poule là-dedans. Ou bien organiser. Il n'y a pas n'importe qui organiser. Un bon organiser. Amen. Alors, tu sais qu'il me fait. Moi, prier, moi, j'essaie de demander la main exercée. De plus, j'ai Seigneur, exerce mon armée. Alors, que tu as la Bible. 2 Samuel 22, verset 35. Vas-y. Il exerce mes mains au combat et mes bras tombent là derrière. Là, David peut dire, tu exerces mon armée au combat, mais dans la bataille, il dit, tu exerces, dans 2 Samuel 22, verset 35, il dit, tu exerces mon armée au combat, mais dans la bataille, et qui mon armée capable de bench, ban, des reins, ban, arrows. Quand bon Dieu rend mon armée exercée, le but du service sans armes, mon frère, c'est de montrer comment bon Dieu bénit travail ou l'armée. Travail ou l'armée béni par le Tout-Puissant. La Bible dit, quand bon Dieu exerce mon armée, quand mon armée vient en armée exercée, quand mon armée vient la main exercée, mon frère, mon sœur, la Bible dit mon cas cabosse, ban flèche, mon cas cabosse, ban arc, mon cas cabosse, ban irin. Irin aussi veut dire ferraille métal. Quelle qualité bon Dieu entraîne mon armée? En passant, mon Jésus, dans les affaires, il y a un gémon qui fait karaté, le taekwondo qui fait karaté. Tellement j'ai la main inentraînée, quand je tape ça dans un bloc, ou bien quand je tape ça dans du bois, qui arrive du bois là, il est cassé. Qui fait? Des mains entraînées. Vous pouvez réfléchir. Une lame entraînée, qui est capable de faire? Une lame entraînée, qui est capable de faire? Assez imaginez-vous quand bon Dieu entraîne nos lames dans ce domaine qui est là. Si vous êtes chef, si vous êtes quelqu'un qui est housewife, ou quelqu'un qui est dans la musique, ou quelqu'un qui balance compte, ou quelqu'un qui peut apprendre l'école, ou quelqu'un qui n'importe quoi de ça. Quand bon Dieu nous donne la main exercée, extraordinaire. En ce moment qu'à l'école, tout sujet que je fais, déjà bon Dieu demande la main exercée. Donc, pour créer sa composition là, tu es capable de gagner 99% là-dedans. Tu es capable de gagner. Je te dis amen, amen. Même ça fait David, tellement ça ne marche sur les cœurs. Quand il peut vivre dans 2 Samuel,
22, il exerce sa phrase, tu exerces mon âme au combat, mais tellement ça fait vivre, tellement ça vivant de sur les cœurs. Mon frère, monsieur, il répète même ça fait dans Psaume 144. Est-ce que tu détiens, tu vois, juste quand mettre ça de l'écran, Psaume 144, le verset N. David répète même ça fait. Et s'il vous plaît, il ne répète même ça fait une seule fois. Dans Psaume 18, verset 35, il redit même ça fait. Quelle quantité ça a impacté David sur la vie? Trois fois sur la vie, de pour dire sa phrase. Mais nous pouvons Psaume 144 et le verset. Vas-y, pasteur Rochard. Dieu David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dans la Bible, BBE, il dit bon Dieu, il ferme la main, vient un expert. La main, un expert. He makes my hand expert in war. Je te dis bon Dieu, il ferme la main, vient la main, un expert. Dans quel domaine vous avez un expert? Encore une fois, est-ce que vous êtes un scientiste? Ou un accountant, statisticien, ou un dimon mécanicien, ou un dimon qui peut tirer, qui peut construction, dans quel domaine, ou bien tant, ou bien sa subject matter expert, ou bien sa spécialiste, ou bien sa quelqu'un, référence dans le travail, n'importe quoi, il suffit de dire, ah, get un tel, parce qu'il lit dans sa solution là, ah, get un tel, comment tu fais travail TNT, la compagnie TNT qui fait express delivery en Angleterre, comment tu fais travail pour sa compagnie là. Commençons maintenant sur le même projet, vous avez envie de terminer ce projet-là, mobile, mobile, handheld device. Pas pas tu comprends rien, pas plus connaître comment connecter un GPS avec sa mobile, là, programmatiquement. Pas plus connaître comment faire ça pour sa caméra, là, tiens une photo, après envoyer ça pour internet. Pas plus connaître comment mettre Bluetooth, on. Pas plus connaître comment vous êtes qui constate Wi-Fi, là, qui constate batterie pour quitter le système. Pas plus connaître. Là, je me rappelle, je me suis prié, Seigneur, train my brain. Train my brain, tu exerces mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Tu demandes une idée, tu demandes une pensée, tu demandes une solution. I am a solution provider. Fais ça quand tu es là, il est là, I am a solution provider. Et moi, tu dis, moi, vous maîtrisez ça, moi, vous mépris, moi, vous maîtrisez ça, ce sujet-là, moi, vous master ça, ce sujet-là, de telle façon que moi, vous montrez les yeux. À quel point nous faisons, moi, tu écris un wiki, moi, tu écris une documentation après documentation, tellement, moi, tu connais ça, ce sujet-là. Et n'importe quand tu as un problème, n'importe quel pays qui fait service à handheld device, à Italie, la France, Angleterre, l'Amérique, n'importe quel pays qui fait service à handheld device, à la TNT, n'importe quand tu as un problème, c'est Ajun Ramia qui t'a contacté pour débloquer le jeu. Qui fait? Un appuyé ou tu fais? Seigneur, tu exerces mon brain. Ça me sert à nous faire mon série, désolé, quelque chose qui me vive. Tous les jours, je sais mettre ça en pratique. Tous les jours, je sais confesser ce verset-là, je mets ce verset-là dans Emmanuel Subban, quelque chose qui me fait. Que Dieu, je gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je me rappelle, nous avons encore les trois versets qu'il dit, les trois références qu'il dit. You make my hands able. Bon Dieu, prends ton âme capable. Tu es capable de faire. Pas dire que tu n'es pas capable. Tu es capable de faire. La Bible te fait tout pour celui qui te fortifie. Pas dire dans le job description, mais non, ça fait que je peux faire ça. Puis demain, additional responsibility. Parce que tu es capable. Bon Dieu, peut entraîner toi pour le next level à cause ça. Je te dis amen, amen. Dans le version de la Bible, il dit bon, God will make your hand successful. God will make your hand skillful. Skill veut dire rempli de talent. Ah, dans l'église, gloire à Dieu, voir quelqu'un qui a un talent. Talent pour dessiner, talent pour jouer un instrument, talent pour cuire manger, talent pour coudre, talent pour broder. Tu as une soeur qui fait un petit trousse pour les autres soeurs. Une soeur qui fait une trousse, moi j'ai un plumier, pour presque 50 soeurs. Et tu bénis ça dans l'église. Bon, j'ai une béni. Une béni travaille sur la main. Sur la main, tu es successful. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Mon frère, mon Seigneur, que bon Dieu entraîne nos lames. Nos lames capables de bosser dans le métal. Je ne peux pas dire nécessairement physiquement. Si le travail nécessite physiquement de bosser dans le métal, bon Dieu va de nos capacités pour faire. Hein? Mais mon cause, spirituellement, quelque chose vous êtes bien. Quelque chose vous êtes une forme. Voilà ce que nous devons dire. Quelque chose vous êtes une shape, une forme. Bon Dieu capable de nos lames. Skill qui vous êtes. Pour donner forme, sa composition, sa compréhension, sa instruction, sa mail, mais n'importe quel sujet de qui tu étais là. De tout, j'ai gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mon content de mettre dans la Bible, il dit Weapons of war are too weak for my hands. Wow! Quand bon Dieu entraîne mon main, quand bon Dieu met sur l'onction, sur bénédiction de mon main et de la main. Weapons of war are too weak. On mettait devant les enfants qui sont à l'école. Quand puisque une bénédiction bon Dieu de ton la main, ben exercice est trop facile. Puisque bénédiction de Dieu de ton la main, ça drafting qui te faisait faire là, un gâteau coco ça, un détail ça, ça dossier brûlant, ben là c'est ça dossier brûlant, ben là c'est ça brûlante.
Maintenant, de lire la parole de Dieu, t'extinguis tout. Enfin, mon Seigneur, n'importe qui paraît trop difficile pour toi, n'importe qui sujet mathématiques, sciences, économiques, environnement, n'importe qui sujet paraît trop difficile pour toi, rappelle-toi, it is going to be too weak devant la main. Il va dire pour bénir, c'est-à-dire de la main. Dans le verset de la Bible, il dit God will, bon Dieu t'entraîne mon main pour la guerre, de sorte que I can bend the most powerful bow. Bow veut dire ça tire, comment vous appelez ça? Tire à l'orgue, tire à l'orgue. Ça tire à l'orgue là, ce qui est plus fort là, ce qui est plus puissant là, ce qui fait avec métal, avec diamant, les bottes, avec une veille. La Bible dit que bon Dieu entraîne mon main, pour qu'il y ait un boosté, pour qu'il y ait une forme, pour qu'il y ait un ajusté. Tu vois le mot que je voulais vous écrire, ajusté. Quand bon Dieu exerce toi, mon frère, monsieur, tu es capable d'ajuster par chiffre pour se balancer comme un visin. Tu es capable d'ajuster par l'attitude de tes enfants. Quand bon Dieu exerce toi la main, des grandes choses tu es capable de faire. Je te dis gloire à Dieu. Regarde-toi la main. Je te dis un long champ dans mon ami. Et un long champ dans mon ami. À tel point qu'il y a des références au bout de Dieu, quand ça quelqu'un sur la main, tu sais que dans le Nouveau Testament, Jésus dit allez, mets-toi debout dans l'église, dans la synagogue, et tente la main. Et tente la main. Et sur la main, tu gagnes la vie. Pour montrer aux autres qui bon Dieu, on vient entraîner nous la main, bon Dieu, on vient nous la main étendue. N'importe qui partit dans la main qui sick, n'importe qui partit dans la main qui mort. Pareil comme à Lazare. Lazare sur la main, qui lifeless. Partient dans la vie. Partient dans la vie. Partient dans la vie. Devant la main qui peine dans la vie. Bon Dieu, qui amène la vie. Mon frère, monsieur, je dis à bon Dieu, une de moi, une la main exercée. On donne beaucoup d'exemples dans la vie naturelle. Si vous avez du monde qui est dans le ministère, par exemple, pour vous montrer comment dans le ministère, vous dites qu'à donner la main exercée. Travaillez la main, il bénit. Si vous faites l'adoration, si un jeune peut faire l'adoration, fait qu'apprendre de jouer la guitare, fait qu'apprendre de jouer n'importe quel instrument, n'a pas dire quand vous pouvez commencer à jouer quelqu'un là. Non, 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 pas dire sa phrase là. Tous les jours quand vous priez, chaque fois que vous avez un instrument, vous dites Seigneur, donne-moi une la main exercée. Si vous voulez pour chanter, dites Seigneur, Seigneur, aide-moi pour chanter une façon exercée. De sorte que vous pouvez chanter avec la peau, que vous pouvez mettre, ou bien vous pouvez chanter avec rien qui est bizarre. Dis à bon Dieu, donne-nous ça quelque chose d'exercé que vous avez besoin là. Si vous êtes technicien de l'église, ou bien vous occupez toutes les affaires logistiques dans l'église, dis à bon Dieu, bénis le travail de la main, que vous pouvez set up tout ce qui est bizarre convenablement. Si vous commencez à faire des cellules, dis à bon Dieu, bénis le travail de la main, donne-toi la main exercée. Vous avez même oublié cellules qui pasteur à Nil Tidelman. Comment tu peux faire ça comment ça s'appelle là? Richemort. Boulet rouge, boulet blanc, Richemort par là-bas. Tu commences avec une famille, frère Bala, avec 8 dimons, Kotli. 8 dimons. C'est là tu mets 45 dimons. De telle sorte qu'il y a un jour par semaine, il y a sur la case arrêté, il dit il peut arriver dans la réunion ici. Là, c'est lui, Bala, bébé. Dimons, sorti des yeux d'église, dimons, sorti de l'endroit. Maintenant, tu peux venir, je fais cellule à soi. Qui fait hein? Bon Dieu, nous mène la main exercée. Et pareil, quand tu fais cellule en Inde, comme pasteur, tu confies ma cellule. C'est là comment se grandit. Ou qui peut faire cellule, ou cellule bizarre grandit. Capable grandit. Parce que bon Dieu, béni, travaille ou la main. Peine n'a rien qui reste sceptique, stérile, là où la main. Travaille où la main, il bénit. Amen. Même si vous pouvez faire visite, même si vous pouvez faire à l'école des enfants, réunion jeune, même si vous pouvez poser la main pour prier pour bien du monde, ou la main exercée, ou poser la main, il dit bien du monde. Je te dis à bon Dieu, donne-moi, j'aime la main exercée. Ou vous êtes de qui partie, de qui carré, ou la vie peut faire du ministère. Si vous pouvez balancer un compte dans l'église, ou la main exercée. Amen. Comment vous faire rêver contre la gym le forme? On va vous dire, c'est parce que si il y a une couleur, on a pénéré, on a coupé une couleur, ré-signer une couleur. Non, 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 non. Si vous pouvez écrire un message, on a même un exercice. Le deuxième, gloire à Dieu. Ajouin, vous déclarez, puisque tu peux handle tout ça dans un fait technique, des hier là, vous déclarez, tu l'amènes un exercice. Tu peux handle ça éloquemment bien, dans le nom de Jésus. Maintenant, nous posons un peu le haut, puis manger. Je me connais même pas mieux, souvent, quand on dit, nous apprendre, vous avez moi, moi aussi, cook, moi aussi, ce qu'il mange, que ce soit à la maison, bien le restaurant, bien de l'hôtel. Enfin, monsieur, vous connaissez Jésus, tu fais grillade. Quand Jésus finit ressuscité, il fait une grillade de poisson, il met ce dîner, il met ce qui a besoin là-dedans pour un disciple. Et ceux qui connaissent qui veuve, il prend un petit peu d'huile, il la farine, il fait un des jolis gâteaux, un meilleur gâteau, il donne ça au prophète, et il a une multiplication de sur la terre. C'est ce que vous pouvez dire. Quand Dieu donne une main exercée, donc oui, manger, quand un jeune fille peut-être te n'a pas le marié, mais tu prépares le marié, mais tu finis marié. Tu n'as pas qu'on finit tout ce qui est bien cuit. Dieu est capable de nous donner la main exercée. Vous connaissez ça dire la main et quand bon Dieu nous donne la main exercée, donc oui, la Bible dit un jour, un jeune, de cuit, quand on a campé, je peux faire un campé, je peux cuit. Quand je peux cuit dans l'amour de sa polentie, que je peux cuit, là, moi je fais polentie. Quand je peux cuit sa polentie là, dans l'amour là, non, qu'est-ce que tu fais? Je crois que le prophète,
On peut dire, prends la farine, mettre là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire la main exercée? La main exercée veut dire comment prendre ou mettre là-dedans. Manger là, dérisser. L'amour, aller. Excès qui est capable de manger là, y aller. Ou réguler ce qui est bizarre. Ça fait ça de la main exercée. Je te dis gloire à Dieu. Du coup, ceux qui donnent l'autorité. Vous pouvez aussi un manager, si un leader, si un team leader ou un dimon en bas, que ce soit dans l'église ou bien dans le travail. Dans le travail. Quand bon Dieu nous donne la main exercée, tu peux aussi un contrat qui est bizarre. Tu n'as pas signé qui vise, tu as un drafting qui vise. Si manager dit toi, toi tu vise monte sa contrat là, sa contrat pour sa nouveau supply là, sa contrat pour sa nouveau du monde là, toi qui vise monte sa contrat là pour sa nouveau framework qui est non, vraiment qui va nouveau affaire tu vise monter notre travail, n'a pas vise payer, n'a pas dire comment nous monter ça là. Qu'est-ce qui vous pèse toi? La Bible dit Dieu vous donne toi un la main exercée. Tu pourrais aussi faire ajustement de sa nouveau la loi de association là, tu pourrais aussi faire ajustement de ban framework, de ma mail, de ma lettre, qui faisait circuler depuis notre travail. Je te dis amen, amen. Si tu as un dimanche qui coûte l'aise, si tu as un dimanche qui coûte l'aise, Dieu est capable de nous donner la main exercée. Jean-Baptiste, tu mettais un lens, mon camarade, avec la peau chameau. La peau chameau, il t'habille avec la peau chameau. Comment on appelle ça? Une la main exercée. Adam et Ève, parce que tu fais faire le péché, tu te coûtes l'aise avec tes affaires. Fais, ça, c'est une super la main exercée, ça. Super la main exercée, ça. Amen. Et puis ce qui sent, Jacob, comment on va dire Jacob? Jacob, tu fais une linge avec tout couleur. Vous avez dit, si moi j'ai fait une linge avec tout couleur, peut-être ou pas le magasin, pour vous prendre couleur rouge, bleu, jaune, vert, violet, enfin tout couleur qui est dans le rainbow, pour vous prendre un petit bout de la toile, après vous coulez, je m'envoie là mon fait une linge qui est dans tout couleur. Est-ce que vous connaissez dans cette époque-là, les parties comme ça? Dans cette époque-là, bah là, tu prends un petit fil par petit fil, de petit taille, petit fil là. Vous comprenez qui fait une linge? Bah là, est-ce que vous lancez là? Comme j'aime qui fait ça, ça me fait avec beaucoup de fils, là, mettre ensemble les vignes, c'est bizarre. Imaginez-nous qui constate Jacob une process ça. 10 fils par 10 fils, une taille, c'est-à-dire une. Comment c'est taille? Une même couleur. Une même couleur qui est bizarre. Pour qu'il s'avigne comme la foule et pour qu'il monte sa linge pour Jacob. Qui vous peut dire où? Dans où c'est, il y a une usine. N'a pas sous-estime sa haine, massive, coup de linge qui est non, côté là. Ça fait me rappeler un jour que le pasteur Romy, c'est un garçon qui s'appelle Paul. Pas parce qu'il appelle Paul qui tire ici fait une lésine. N'importe comment on va appeler ou qu'il appelle une lésine. Et tu commences avec une machine, non? Tu commences avec une machine de ce salon. Après là, tu commences avec une machine de ce salon. Pour rappeler, tu donnes sur la cour, sur la carasse pour faire évangélisation. Ton papa, tu viens prêcher de l'évangélisation là-bas. Parce que Baou, enfin, parce que Baou aussi, tu viens. Parce que Batoussam aussi, tu viens. Et aujourd'hui, enfin, mon petit, après un certain temps, tu as plus jeune machine côté. Et tu faisais un recrut du monde pour travailler côté. Sœur, Dieu qui a béni le travail ou la main, n'a pas sous-estime ce qu'il peut faire, même s'il y a peu de coup de linge. Ah, parce que c'est toujours pas assez de magasin. En ce moment, non. En ce moment, Dieu ne peut pas passer de magasin. Bon Dieu est capable de faire miracle. Faire bon Dieu confiance. Je te dis gloire à Dieu. Mais nous avons un exemple dans l'étude. Je ne pas pour revenir là, dans l'étude, comment bon Dieu tient de moi pour exercer mon la main dans, au niveau de l'étude. Gloire à Dieu, merci Jésus. De quoi je vais me contacter? Parce que vous avez trouvé un prêtre dans l'église qui contacte, je vais vous dire que je vais là. Pour que vous m'en fassiez, je vais vous dire quand même là. Dieu est capable d'exercer la main. Comme, allez, vous donnez-moi un exemple. À quel point bon Dieu exerce la main de lui? Il te prend un projet pour un bateau. Qui a été bon Dieu qui exerce sur la main ça? Et bateau, c'est l'étage, s'il vous plaît. 3 étages. Gros bateau. Frère, bon Dieu est capable de rendre la main exercée. Pour vous réussir de travailler que vous pouvez faire. Il appelle la case, il appelle la piscine, il appelle, pardonnez-moi, campement, il n'y a pas tout péranger. Dieu bénit travail ou la main. Vous voulez me donner l'exemple de Néhémie? Néhémie, si tu gagnes un contrat, lis ce contrat, tu dirais avec bon Dieu. Hein? Lis ce contrat qu'il te gagne, tu dirais avec bon Dieu. Bon Dieu, c'est cause avec lui pour aller avant de Miraille, autour de Jérusalem, plus rebâtir la ville Jérusalem. Qui a été sur la main de s'exercer? Tu as la persécution, tu es venu. Dis-moi, tu as contraire de ce que Néhémie veut faire. Mais à cause de bon Dieu, il y a une main exercée. Il y a un dix-bois qui est bizarre, il y a tout ce qui est bizarre pour monter en projet là. Frère, vous pouvez tout faire qui est bizarre, vous pouvez tout bloquer qui est bizarre, vous pouvez tout ciment qui est bizarre. Pourquoi vous avez la paix? Vous pouvez dire que vous pouvez vous projet qui vous prend avec sa client là, vous prophétise dans la vie, vous pouvez sortir de là-dedans avec profit. Parce que bon Dieu, il y a un bel travail dans la main, mon frère. Gloire à Dieu. Mais cause à ceux qui peuvent handle l'argent. Vous venez dans l'église, il y a aussi un bandit qui a casté l'argent. Là, vous dites, hein? Qui est vrai? Un dimanche, il va s'envoyer, vous dites que c'est là. Qui est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'argent? Il y en a qui travaillent dans Forex,
forex exchange. Vous avez acheté de l'or, vous avez acheté euro. Ou bien vous avez 20 euros pour juste gagner de l'argent, Louis. Il y a quelqu'un qui travaille comme ça dans l'église. Enfin, nous savons, bon Dieu, quand vous avez la main, donc vous connaissez quand vous avez acheté euro, quand vous avez 20 euros. Nous faisons 20 stocks, nous avons un jeune parmi nous qui travaille dans une compagnie qui faisait un pays stock, 20 stocks, tel stock market, on peut dire. Hein? Dieu est capable de rendre la main exercée. Pas de suivre à cause de tout le monde qui fait ça similaire, tu peux faire ça similaire parce que tu es investi là-dedans. Non, 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 non. Suive la voix de Dieu. Suive la voix de Dieu. Le deuxième gloire à Dieu. Un des exemples de la Bible. Amen. Quand bon Dieu donne toi une la main exercée, tu la main exercée pour capable de donner bon Dieu une offrande qui est meilleure. On va dire un joli amen. Quand bon Dieu donne toi une la main exercée, sa la main exercée, sa la main bénie là, il vous donne bon Dieu, mais ça t'est béni. Quand tu la main exercée, tu peux capable de trouver toi donne bon Dieu, un honorable gift. Est-ce qu'il nous l'a dit, nous le font, c'est un offrande honorable? Est-ce qu'il nous capable de dire, ouais, bon Dieu, béni travail, mon ami, à cause de ça, je donne 5 sous de panier d'offrande? Ou bien nous le dire, bon Dieu, béni travail, mon ami, et mon connaît pour béni encore, à cause de ça, je donner la stella pour la foi. Abel, c'est un joli exemple, ça. Abel, sur la main, tient la main exercée, ça. Un la main exercée, il donne bon Dieu les meilleurs. Après, il m'a fait le membre de mon église, Seigneur, entraîne sa peuple-là sur la main, qui sur la main, vient la main entraîner. Pour qu'on puisse donner toi les meilleurs. Quand bon Dieu entraîne la main pour qu'on donne les meilleurs. Une la main qui est entraînée pour qu'on choisisse les meilleurs. Pour qu'on donne les meilleurs. Je dis gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous connaissons déjà un exemple. Abraham. Genèse chapitre 22, verset 3. Nous pouvons lire un petit coup. Genèse 22, verset 3. Habituellement, Abraham est coupe du bois. Il y a 25 garçons comme nous, ça y est. Et puisqu'il presque, puisqu'il s'entend là, parce qu'il s'entend, il dit qu'Isaac, allons dire presque 120 ans là. 120 ans, Abraham, il est là. Il fait coupe du bois. La Bible dit, il fendit. Il y a une petite coupe à ce vachon. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Mon frère, monsieur, hein, quand nous l'amènons, elle l'amène béni. Quand nous l'amènons, elle l'amène entraînée. C'est nous qui coupons du bois, dis-moi pas coupe nous. C'est nous qui coupons du bois, dis-moi pas coupe nous. Quand nous l'amènons, la main entraînée, peu importe qui nous lase, nous capables d'appliquer, nous capables de faire ce qu'il nous a habitué à faire, pour le déclarer dans le nom de Jésus. Nous tout qu'il a, nous pour vivre longtemps, bonne santé, en pleine forme. Nous pour capables de prendre une toilette pour nous-mêmes, parce qu'il nous l'a main exercée. Nous pour capables de baigner pour nous-mêmes, parce qu'il nous l'a main exercée. Nous pour capables de marcher sans trapper une béquille, sans trapper du bois, parce qu'il nous l'a main exercée. On prophétise dans la vie. Même où l'âge soit avancé, on peut conduire le dossier. Maintenant, nous sommes dire, on peut rouler. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Je trouve un cerf, je suis à l'église, je fais ça. Pardon, je dire. Quand la première fois, je suis allé l'année 2010. Je trouve un cerf sorti de sur le deux. Hors de l'église, c'est des blancs, blancs. On va dire plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que pour le béranzé. Blanc, on peut dire où là. Merci. Assisé, les chanter. Et là, out of curiosity, mon demande un frère qui a demandé l'église, il me dit, quel âge il a ça, c'est là? Ben, il a 92 ans. Il me dit, wow, 92 ans, il peut rouler sur le 2. Monsieur, il me dit, mais il dit, roulez. Bon Dieu, il exerce sur la main, mon frère, aussi. Bon Dieu, il exerce sur la main. Wow. Et là, ma affaire, bon Dieu, vous faites retrouver. Pour inspirer. Amen. Alors, au lieu de mauvais quelque chose, quelque chose. Je dis gloire à Dieu. Merci Jésus. Alors, quand bon Dieu exerce nous la main, Abraham, presque 120 ans, tu coupes du bois. Moi, je vais dire, vous prenez 120 ans, vous coupez du bois, vous avez gaz, vous faites tac, tac, tac. Je vais voir les mains coupées, moi, c'est pas vous coupez du bois. Mais mon père vous dit, mais pourquoi vous bisez? Puisque tu travailles la main, il bénit. Il bénit, c'est pas votre aussi. Je dis gloire à Dieu. Merci Jésus. Bon, quand on a Noé, moi, je passe un coup, tu as le Noé, moi, pour passer un petit coup vite. Quand bon Dieu demande une la main exercée. Quand Noé tire sa bateau là, et tu sauves l'humanité, tu apportes une solution pour global, international, international solution tu apportes. Je déclare dans le nom de Jésus, où qu'il peut écouter, dans où travaille, dans où domaine. Pour que tu es capable de faire vivre avec une stratégie, avec un plan, avec une proposition, avec une idée, avec un just one idea qui peut naître dans l'équerre ou pour révolutionner sa industrie, sa secteur qui est là. Donnez. Parce qu'il ne parle pas les créateurs, les créer quelque chose. Ou il a l'esprit créatif là-dedans. Ou la main, il y a la main exercée, mon frère. Ou la main, il y a la main exercée, mon sœur. Ça domaine qui, pendant des siècles et des siècles, qui ne reste pas là.
ou capable de capter ça, ou faire ça, ou faire ça, venir, to go in a new direction. On parle qui, les gouvernements c'est le gouvernement de qui vous êtes, les gouvernements c'est le gouvernement de qui vous êtes. Je vous dis pasteur, depuis le gouvernement établi ça, ça fait là des comme ça. Ou pour capable prendre ça, amener ça dans une autre dimension. Tout de gloire à Dieu, merci Jésus. Vous avez même oublié une fois que tu fais travail d'un projet, pendant que tu sélectionnes moi pour travailler d'un projet, alors on commence à faire une solution. Quand le modèle fini, le big boss, le CEO, disait waouh, c'est super ça. Nous vous présentons ça à tout le monde, partie private. Alors nous présentons ça à tout le monde, partie private dans Maurice. Et quand fini, ben, il disait waouh, il est tellement joli. Nous vous avons montré ça WWHO, ça c'est wrestling ça. World Health Organization. Et quand fini, il disait hey, il se présente ça au bureau ministre. Attends. Ashwin, présenter quelque chose devant le bureau ministre. Vous savez que la Bible indienne, Joseph, si elle est la côté d'aider, il faut aller à côté de solution quand il y a un problème dans l'Égypte. À part sous-estime vous-même. Ou quand tu es petit, mais c'est lui qui est dans le grand. C'est ça que je peux vous dire. Quand Dieu te donne la main exercée, c'est qu'il te fait faire là, mon frère, mon sœur. Il est tellement béni pour servir ça devant le niveau national et international. Je te dis gloire à Dieu. Je te dis Seigneur, donne-moi la main exercée. Merci Jésus. Je vais commencer un petit peu. Je vais commencer un petit peu faux. Un petit bébé va pleurer là-bas pour le voisin. Bénis sa bébé là dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. À Dieu de nous l'amener exercer, mon frère, mon Seigneur. Je bénis en votre nom. Gloire à Dieu, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alors, mon frère, mon Seigneur, maman, vous ajoutez des affaires. N'importe quand on fait face à un challenge, n'importe quand on fait face à une situation, un défi, voler au sens de mentalité, on va dire, hey, il y a encore problème. Non. Toi, tu es le sel de la terre. Toi-même qui bondis bizarre. Devant la période qui nous fait vivre, c'était là, bon Dieu, disait Joseph, bon Dieu, disait Daniel. On apporte beaucoup de solutions. You, la Bible dit dans le Nouveau Testament, through the church, the manifold wisdom of God will be revealed. Mm. Et qui bon Dieu dit là, hein? à travers l'Église, qui est bon Dieu pour révéler toute sa qualité, sagesse à sa démon-là. Ou pas font partie de l'Église, oui. Ou font partie de l'Église? Through the church, the many-sided wisdom of God will be revealed unto the world. Ça, les mots-là, bien la sagesse qui vont dire, mais dans toi. Je te dis, gloire à Dieu. Quand tu l'amènes et l'amènes exercer, mon frère, mon Seigneur. Alléluia. Là, mon père, je peux bien dire, mon maintenant. Fils de Noé, deux gosses sont Noé. Ça allait, tu couvais le papa, ce nudité. Quand on l'amène, l'amène exercer, le papa ne couvait pas du monde. On va pas dire couvert sur les rires, ben, j'en ai drogué, t'es un criminel, caché, que t'as tout couvert. Pas ça, mon pécho, c'est là. Mon pécho, ou pas pour t'y du monde des hauts. Parce qu'on est la main bénie, on est la main exercée. On connaît, alléluia, comment on est capable, bénir ben les autres qui qu'aiment, faire grâce les autres qui qu'aiment, faire faveur les autres qui qu'aiment, et les autres qui qu'aiment, aider les autres qui qu'aiment. Je te dis, Seigneur, donne-moi la main exercée. Vous connaissez la tour de Babel, vous dites pas tu bénis dans la main de la main. C'était pas la main exercée qui tire dans la tour de Babel. À cause de ça, travaillerait ça pendant l'heure, même. À cause de ça, la tour reste comme ça même. Quand bon Dieu donne la main exercée, aucun travail ne va pouvoir s'amortir. Puisque bon Dieu donne une la main exercée, une la main bénie, travail la main est bénie, aucune petite chose qui ne commence à faire n'a pas pour espoir encore. Même si peu tu commences à faire des affaires dans l'église, à cause du confinement, on nous a arrêtés. Me déclarer dans le nom de Jésus. Ou la main, c'est une la main exercée, travail ou la main est un travail béni. Au contraire, comme dans le déconfinement, là, plus vite vous terminez ce travail-là. Have faith in God. Le Dieu, j'ai gloire à Dieu. Genèse, s'il vous plaît. Nous avons des petit coup, Genèse 23, le verset 8 à 9. Merci Jésus. Garabacham, garabababababa. Et il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi et font fils de ce corps. De me céder la caverne de Marpella qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession. C'est plus grave au milieu de vous. Quand vous voulez, ça, dans 10 versets, 3 versets qui nous lient là, Abraham, tu payes un prix pour ça la terre. C'est tout ça. He paid the price for the portion of land. Comme on est la main exercée, mon frère, mon Seigneur, je ne pas coquin, ce qui n'est pas pour moi. Puisque mon la main exercée, si je faisais payer un prix, je vais payer un prix. Si je faisais payer pour gagner, je vais payer pour gagner. Bon Dieu, je vais mettre dans la main. Je vais pour tricher dans l'examen. Qui fait? Parce que bon Dieu, bien travaille la main. Bon, ben, on va prendre les autres qui gagnent sur notes. Les autres qui gagnent sur les voix pour monter comme maman vous les voit. Non, parce que bon Dieu, bien travaille la main. Quand qui gagne un la main exercée, mon frère, mon Seigneur, sur la main pas lazy. Il va vraiment dire pas lazy. Paresseux.
Mais maintenant, la main paresseuse. D'ailleurs, la Bible dit que si quelqu'un paresse, il ne va pas aller manger. Non. Nous ne pas paresseux, nous. Nous travaillons. Nous comptons travail. Nous sommes capables de travailler. Nous pouvons travailler. En période de confinement, nous ne pouvons pas dire à un dimanche qui pourrait sa case. Ah, gouvernement, vous êtes de nous ça. Nous allons nous coquer pas ici, nous coquer pas là-bas. Ou bien nous perdons un discours pour une portion spéciale pour nous. Non. Travaillons la main, il bénit. Ou un dimanche, bon Dieu, nous allons la main exercer ou capable de débrouiller. Ou planter un peu de légumes, ou vendre, ou planter un peu de quittes, ou faire un peu de jus. Ou parler de moi, bon Dieu, qu'a de nous une idée pour faire poutine, calamine, das, pour tout. Pas parler de moi, qui vous comptez. En tout cas, pour faire quittes. Et l'argent pour venir, dans le nom de Jésus. Que Dieu, j'ai gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Le livre de Genèse, chapitre 24, verset 9. Quand bon Dieu nous donne la main exercée, sa serviteur-là tient la main exercée, elle a la main bénie. Abraham pour faire serviteur-là, Abraham pour prendre la main serviteur-là, pour mettre côte sur la cuisse. Pourquoi Dieu va poser la main exercée, mais vous êtes toujours morcé, la main côte la cuisse, vous pouvez morcer. Non, pas ça. Ici, la main côte la cuisse veut dire, il y a un dimanche qui pour honorer un serment. Un dimanche qui pour honorer une alliance. Un dimanche qui pour honorer. On a respect aux paroles qu'il nous donnait. Mon frère, mon Seigneur, quand nous l'amènons, elle l'amène sacrée, elle l'amène bénie, elle l'amène exercée. Nous pour respecter les paroles qu'il nous donnait. Nous pour respecter l'alliance, nous pour respecter le serment qu'il nous fait. Nous pour respecter la promesse qu'il nous fait à bon Dieu. Nous pour respecter quelque chose qu'il y a dans l'église. Amen. Dieu nous donne l'amène exercée. Ne pas coquer, ne pas friquer, ne pas faire rien. Non. Dieu nous donne l'amène exercée. À toute bonne jeune fille maintenant. Quand bon Dieu donne toi, jeune fille, elle l'amène exercée. Ceux qui veulent prier pour un mariage, ceux qui désamordit. Vous savez, c'est là comment je lis. Genèse 24, verset 30. Genèse 24 et le verset 30. La Bible dit à sa serviteur une sortie, Genèse 24, verset 30, dans une de Camélie et une Galilée. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant ainsi va parler l'homme. Amen. Serviteur est venu, il donne bracelet. Il donne bracelet dans la main, ça suffit, la bracelet en l'eau. Il nous donne une bague dans la main, ça suffit là. Écoute-moi, c'est là. Ou la main est la main exercée. Ça m'a rien à vous de bien attendre. De la main est la main exercée. Ça m'a rien à qui tu t'es là, béni. Amen. Parce que tu l'amènes la main exercée. Comment est-ce que Rebecca t'y a la main exercée? À cause de ta ne pas vous rendre la note. Rebecca, tu fais travail, tu fais œuvre avec sur la main, ainsi de suite. Mais quoi? Et le Seigneur, il dit là, dans Rebecca, sur la main, tu n'as pas. Va te prier pour ça qui est avec qui tu disais, moi, le Seigneur me croit. Je ne parle pas de la right person in my life. Venez une barbe dans mon main, venez un bras dans mon main. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Puisque bon Dieu nous donne la main exercée, ton mariage peut venir. Parce qu'il te fait gagner la main exercée. Mon content, c'est sur Isaac aussi, Genèse 26. Genèse 26, le verset 16, 17. Isaac fait un trou. Maintenant, les grosses d'un trou là, bouche trou là. Isaac qui fait Hans. Il fait un deuxième trou. Où tu as dit le. Qui m'en a fait encore? Remet, grosse, ferme trou là. Il fait le trou encore. Il gagne des loups. Maintenant, c'est de la poussière, bouche trou là encore. Il refait encore. Vous connaissez déjà la main exercée? Un la main exercée veut dire un la main qui n'est pas fatigué, malgré combien d'obstacles venus devant vous, un âme exercé veut dire pour manger en lui, pour manger en lui, pour fouiller encore. Un âme exercé veut dire vous continuez la Bible, c'est une révélation. Un âme exercé veut dire vous capable de fouiller, fonder et bizarre, jusqu'à ce que vous gagnez de l'eau. Vous n'avez pas qui arrive là. Vous persévérez dans sa lecture, jusqu'à ce que vous comprenez ce qu'il fait. Why est-ce que vous explosez? Why? C'est ce qu'il comprend le module là, c'est ce qu'il comprend la formule là, c'est ce qu'il comprend le chapitre là, c'est ce qu'il comprend le théorème là, c'est ce qu'il comprend la parole de Dieu. Au foncer de sa ministère là, alléluia, c'est ce qu'il comprend, c'est ce qu'il soit sorti depuis là-dedans. Elle l'a exercé, c'est ce qui m'a prié pour tout le monde dans l'église. Tout le monde qui fait travail dans la cellule, cette cellule est bénie, travaille sur la main, est bénie. Bon Dieu, nous jette la main exercée. Je te dis gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. À des apôtres 16 et le verset 14, dans la moitié cause un peu Jacob qui ne coûte, moitié cause Jacob qui ne coûte, au pas qu'il y ait des autres, ça va là. À des apôtres 16 et le verset 14, tu as une madame là-bas, madame, tu fais commence à faire commerce, et tu fais commerce dans l'aise, et tu fais commerce dans la toile, et tu appelles Lydia. Lydia, et tu as son business dans la rivière, et tu veux une couleur de l'aise, et tu fais vendre dans l'aise, purple clothes. Et purple, mais tu as une couleur qui va dire, tu fais service à l'époque là, royal. Bon Dieu, quand je donne magasin,
quand tout confinement finit, quand tout Covid finit, bon Dieu, quand nous donne un magasin de tourisme. Dieu a fait. Fais bon Dieu confiance. Si là-bas, il y a des peuples, et peuples, c'était pas du risque qui passait sa couleur là. Peuples. Crois. Je dis gloire à Dieu. Merci Jésus. Bon, on a aussi l'histoire de Jacob. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Comme on dit de nous-mêmes la main exercée, nous bâtir l'autel. Que ce soit Jacob, Abraham, Isaac, non? Et même à quelqu'un dans le livre de juge. Chaque fois, nous avons fait une rencontre avec bon Dieu, je bâtir l'autel. Puisque bon Dieu nous donne la main exercée, tout content de prier, tout capable de prier, de louer bon Dieu, de notre l'autel, de notre moment qui doit passer avec le Seigneur. Amen. Ok, nous venons verser la Bible. Genèse 39, le verset 3, vas-y. Une des définitions, c'est quoi la main exercée? C'est quoi la main bénie? Genèse 39, le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que Joseph fait, tout ce qu'il met dans la main Joseph, tout dossier, tout cahier, tout record, tout formule, tout ce qu'il met dans la main Joseph. Joseph gagne succès. Un la main exercée, c'est un la main qui gagne succès partout où il y a les. C'est un homme qui amène satisfaction, satisfactory outcome. C'est un homme qui dit pour faire compliment. C'est un homme qui dit pour appraise. Écrivez ça si vous voulez. Si quelqu'un veut écrire dans vos comments, écrivez-le. Un homme qui exerce, c'est un homme qui will bring success everywhere. C'est un homme qui peut bring satisfactory outcome. C'est un homme qui peut amener compliment après. C'est un homme qui peut amener appraisal. Alors chaque fois que vous essayez de bénir le travail de mon ami, attendez du monde pour dire « Wow, c'est là qu'il fait ça comme ça, je lis bien. » Chaque fois que vous essayez de bénir le travail de mon ami, Seigneur, maintenant pour faire ça là, maintenant pour monter à projet là, maintenant pour faire telles affaires, Dieu me faisait balancer ça contre là, je vous ai arrêté combien de BTA tu donnais, je vous ai arrêté telles affaires là. Priez, Seigneur, bénir le travail de mon ami, pour un outcome. Par exemple, parce que Romy peut occuper un jardin. Ça coûte du monde parce que c'est pour ça, un jardin là comme ça. Pendant que les autres jardins, il y a l'air, il y a telles affaires, ce jardin propre, ce jardin bien aligné. Bien dans la tête, bien rangé. Qui fait là? Quand on dit de travailler ou la main, pour le compliment qui vient après. Je te dis Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Pour compter sur Moïse aussi, Moïse c'est la main exercée. Moïse c'est la main tellement exercée quand il fait travail avec Vandrébi. Vandrébi béni, Vandrébi en bonne santé, en pleine forme. Quand il frappe ce bâton, il frappe la main rouge, la main ouverte. Comme la main exercée, mon frère Moïse, you have the mind of Christ. La main devant toi, vous avez ouvert sa main là. Sa main là, vous avez ouvert. Amen. Priez, attendre, aspirer, louer bon Dieu et croire que quand bon Dieu bénit le travail de la main, des choses merveilleuses par lui. Des choses merveilleuses par lui. Merci Jésus. Je me rappelle longtemps, je suis ouvert à la boutique. Longtemps, je suis ouvert à la boutique, ça quand même se travaille inéletant. Quand on travaille inéletant, on gagne des soubis. Alors, quand vous avez un travail à la boutique, alors, comment tu es prié? Parce qu'il faut bien plein quand il y a un client. Quand il y a un client, il y a plein. Parce qu'il existe avec la boutique là. Et moi, j'essaie de bénir le travail, mon ami. Et je me rappelle, mon maman, tu fais l'école, tu peux prier. Mon maman, tu fais l'école maternelle depuis 18 ans, 19 ans, qu'il est marié, jusqu'à qu'il ait 60 ans, il fait l'école maternelle. Même dans ma dernière année, il y a le coup de même à la jeune miss qui peut faire l'école maternelle. Mais je me rappelle, quand il y a un prier, c'est un béni travail, mon ami. Et chaque fois qu'arrive janvier, quand vous avez un nouveau élève, parce qu'un bon petit élève, il a une grande école, comment on appelle ça longtemps. Quand l'école, il n'y a pas besoin de cause de dévastateur, vous rappelez mon maman, le lever quand vous venez de prier, et un des bonnes affaires qu'il utilisait sur la prière, Seigneur, te bénis le travail, mon ami. Te dire de parole, te bénis le travail, mon ami. Amen. Priez, n'a pas hésité à faire ça la prière. Tout ce qui est là pour faire, on a pour pas tirer côté. Attends. Avant même que vous fassiez la paix, avant même que vous brillez la paix, Seigneur, te bénis le travail, mon ami. Quand nous, pour les vendre, tu fais une rénovation, je prie pour mes affaires en fait, tu me dis, attends, allez, je prie en fait, Seigneur, me donne la gloire, te bénis le travail, mon ami. Je prie, je confesse ça, le banal. Un jeune garçon qui est venu que mon prestataire de trois bonnes affaires que moi, plomberie, nous prier avant, plomberie, on vient dire. Mais nous prier avant, Seigneur, te bénis le travail sur la main, Seigneur. Pas bon Dieu, bénis le travail sur la main, aucun mort, pas pour casser, pas pour la gaspillage, pas bon Dieu, bénis le travail sur la main. Si nous sommes connectés, pas pour faire perdition après. Je te dis, Seigneur, bénis le travail sur la main. Mon compte, ça va être là, Exode 31, nous dites ça. Exode 31, verset 1 à 3. Vas-y, pasteur le chat. Exode 31, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir
pour toutes sortes d'ouvrages. Oui, un à toi. Alors commençons à dire, bon Dieu remplis-nous avec la sagesse. Avec qui bon Dieu remplis-toi, Gemma? Avec qui bon Dieu remplis-toi, Hans? Bon Dieu remplis-toi avec Connie. Il va ne remplis-toi pas Connie. Il remplit-toi avec sagesse. Il remplit-toi avec savoir de faire. Il remplit-toi avec l'intelligence. Il remplit-toi avec intellect. Il remplit-toi avec information. Il remplit-toi avec savoir. Et pas juste avec savoir, Gemma. Mais il dit pour faire tout l'ouvrage. Comment qui peut dire ça? Un seul médecin à l'écran, pensez-lui, c'est bon, vrai médecin? Vous ne connaissez pas mon avis qui dit ça? Je vais rire. Est-ce que vous connaissez mon avis qui dit ça? Ressoumis, c'est un point juif. Franchement, mon avis qui dit ça. Il dit là, il demande la sagesse. Gloire à Dieu, maintenant, il y a beaucoup de monde. Amen, amen, amen. Comme on dit, le rempli, tout ça va nous faire mon Dieu là. C'est ce qu'il dit à Vraza. Il dit, bon Dieu, bien travaille tout la méta. Pour te faire toutes sortes de vases. Non? Vous voulez bien dire là ou bien? Hein? Il dit l'ouvrage. Après, il dit encore, il est là. Allô, allô, bah, tout ce qui fait qu'il est là, vous avez l'ouvrage. Parce que tu l'amènes exercé, tu l'amènes là-bas béni. L'ouvrage pour béni. Parce que quand j'ai le passage, je me dis là. Mon voilà, il dit amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Après, il dit bon Dieu pour rendre toi capable de faire une invention. Souvenez sa phrase à vous. Ah, je mets ça de couleur pour qu'il va être rouge, peut-être même bleu. Pour qu'il balance vous bien. Verset 4. Verset 4. Rendu capable à faire des inventions. Scientiste. Ajuna. Toi qui peux faire data scientist. Et pense à verset là pour toi. Engineering. Là, il y a beaucoup que tu peux faire. Bon, tu sais, toi, invente un nouveau menu. Souvent, on va inventer. Je m'occupe, parfois, on met de bonnes affaires, on invente un nouveau menu. Bon, voilà, tu vois qui tu peux faire. Moi, je dis, moi, tu fais hors, moi. Bon, vous êtes médecin, vous êtes un carré ici, le médecin, le médecin, le médecin. Bon, écoute ça. Je dis à bon Dieu pour un moi capable pour faire une invention. Peuple de Dieu, n'a pas à dans les ciels sans qu'il s'avère la vie de ta vie. L'amour peut causer tous ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Dieu a envie d'inventer un débat qui chose. Le qui est notre nom avant qu'il soit accompli. Ton nom reste sur la terre quand tu as accompli. Crois là-dedans. Crois. Si aujourd'hui nous capables de venir à l'hôtel qui s'appelle Oberoi. Si aujourd'hui nous sommes capables de faire telle, telle affaire qui prend le nom de Dieu, est-ce que bon Dieu n'a pas fait une chose qui n'a pas tout le nom là? Bien, bon Dieu n'a pas fait, frère. Dieu rend moi capable pour faire une invention, une bonne solution, un nouveau chose Excel qui calcule ça automatiquement, une nouvelle formule. Après, il dit aussi mon contact prochain verset, qu'est-ce qu'il dit? Pour travailler avec l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec l'eau? Bisoutier. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ dans l'église avec des montagnes blanches, par Rivelet, à côté de la Mantiquaine, pour faire bijoutier. Bijouterie, sorry, bijouterie. Je vous vis une bijoutier. Parce que la Bible dit à bon Dieu, c'est une mana, habilité pour travailler avec l'or. Moi, prophétiser aussi. Il dit à Bana, bon Dieu, tu bénis Bana avec la sagesse de la main, tu as travaillé avec l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire la main travaille avec l'argent? Banker. Pas banker, tu connais ça. Non, pas ça, banker là. Banker, nous, on est au service là. Banker, ici, les gens qui travaillent à la banque. Un homme qui travaille à la banque, un homme qui compte casse, un homme qui travaille dans des bonnes accounts. Dieu vous donne toi capacité. C'est ça qu'appelle exercer sur la main au combat. Gravir des pires, ou grave un pire. Bon Dieu qu'a fait ou vient poser un mort, poser un pire, poser un rosse professionnel. Un homme qui travaille, vous avez payé 20 000 roupies parce qu'autant bien vous faites au travail. Autant bien vous faites au travail. Poser un rosse, poser un bloc, maçon. Ça, c'est bon Dieu béni. Travaille-nous la main. Après, il dit en bas, travailler du bois. Non? Travailler du bois. Qu'est-ce que c'est travailler du bois? Menuisier, ben, qui fait design, ben, qui fait décoration, ben, qui fait bibelot, ben, qui fait rond, ben, les autres quitteuses. Ça, c'est ça, fait ça la main exercée. Pense à verser là. Exode 31, verset 1 à 3, bien 1 à 4, bien 1 à 5. Confessez tous les jours dans la vie. Dis, moi, je viendrai bien. Bon Dieu, me remplit avec la sagesse et l'intelligence. Mon gars fait toutes sortes d'ouvrages, mon gars fait toute qualité de travail. Bon Dieu, rends-moi compétent. Mon multitasking. Amen. Juge chapitre 3, verset 10. Et là, tu me dis, mon pasteur, moi, mon gaucher, moi, il y a un verset pour moi, mon gaucher. Moi, écrit par mes gauches. Moi, je fais bon les pieds gauches. Ou quand il y a un verset pour moi, pasteur, mon pied gauche, mon âme gauche. Oui, moi, j'ai un verset pour toi. Juge 3, le verset 10. La Bible dit à quelqu'un qui appelle Othniel là, dit left-handed. Dit qu'il peut servir sur la main gauche. Et la Bible dit sur la main, fut puissant contre sur l'ennemi. Les liens, tu vois?
L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante pour Cushan Rishathaïm. Allez, Cushan, fais-toi. Sur la main, tu gauche. On va se voir sur la main, tu gauche. Excuse-moi. Il y a un voisin un peu gauche sur les pieds. Comme il y a des petits gauchers. Des petits gauchers. Et que sur la main gauchée. Sur la main gaucher, tu es puissant contre ce bandit ennemi. Vous voulez dire, bon Dieu exerce ou la main, quand bon Dieu entraîne ou la main, même la main gauche, bon Dieu qui va entraîner. Ou la main gauche, même si vous êtes gaucher, gaucher. Même si vous êtes gaucher, quand bon Dieu pénètre travail de la main, alléluia, de la main est puissant, de ton adversaire, de ton bandit ennemi. Un coup, Samuel, Samson, vite, vite, Juges chapitre 15, verset 15. La Bible de Samson, il trouve un crâne, un dolkin qui finit mort, un amassoir qui finit mort, qui finit isé, une sens couler, un portine cassé la dent. Mais il gagne sans mon camarade, il y a victoire sur l'ennemi. N'a pas dire de travail, c'est un domaine qui vole, qui peut escape. Bouton escape, n'a pas un bouton enter, il disparaît. Except qui vole, qui peut escape avec un enter là. Bon Dieu, qu'a fait un développement, bon Dieu, qu'a fait un travail extraordinaire. Parce que c'est un laptop qui m'a dit, comme un dinosaure, parce que. Monte le dinosaure là, fais hurré! Fais roulou! Fais roulou là! Tu vois, mais Rodéo, n'a pas dit à crâne là. N'a pas dit à la maçon là, vieilli. C'est bon, tu mets une petite sauce sur la main, mon frère, monsieur, servi. Gagne de victoire. Parce que tu as la main qui exerce. Pas crâne là qui exerce. Tu as la main qui bénit. Et la bénédiction de ton la main. Pas de crâne la maçon brique qui finit mort. Pas de l'autre là qui tient dans l'onction. C'est dans Samson qui tient dans l'onction. Donc toi qui es dans l'onction. Peu importe qui plume ton bras, peu importe qui crayon, qui pinceau, qui coulette, qui peut servir, peu importe qui te le prend, c'est toute la main qui bénit. Quand Jésus dit, mais tu fais ça, il dit pas des poissons. Pourquoi? Parce qu'il dit, pas là, tu sautes baguette magique, vous lancez baguette magique, la carbone, à cause de ça, tu dis, pas là, tu parce qu'il dit, pas qui risque, qui vous lancez, tu sautes, ou bien tu dis, pas là, qui la main, il dit. C'est un mot, peut dire, ou la main exercée. Ça pied qui est un pour planter là, ça travaille qui est un pour faire là, pas pied là qui. Je l'ai rendu bien, si béni, parce que bon Dieu est béni. Mais on peut dire, il y a long champ, il y a béni, il y a bon Dieu, oula, mais. Je dois dire, gloire à Dieu. Merci Jésus. Ah, mon compte, ça, c'est un exemple là aussi de Ruth, ma soeur, il est en juge. Ça veut dire, il y a un exercé. Juge 15, verset 4. Sorry, verset 14. Juge 15, verset 14. Ben, là, t'as Samson, ça. La Bible dit, la peau, la fun. La peau, la fun. Fun, début de la main. Fun, brillé. Juge 15, et le verset 14. Vous n'avez pas les livres? Lorsqu'il arriva à lécher, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Waouh! Voilà que ça devient la main exercée. Puisque bon Dieu demande une main exercée, mon la main pas attachée avec un bandage, mon la main pas attachée avec cigarette parce que bon Dieu bénit moi, il demande la main exercée. Seigneur, demande la main exercée. On ne l'a même pas attaché avec le péché, avec le mal, avec la mauvaise chose. Il y a un petit moment, le diable attache travail de la main, bloque travail de la main, et dit, Dieu, donne-moi une main exercée. Et puis, demande, à deux reprises, arrive ça. Et comme on attache sur la main, ça la couleur, comme on dit, brûlée de sur la main. Déjà, en place, quand les couchés, le genou de Dalila, et Benjamin vini. Dalila attaché, Benjamin vini. Après, j'ai une reprise, ça cassé. Pas pour monter sur l'onction, sur présence. De tout la même au fin de l'océan, la scène cassée, esclavage disparaît. On dira à toi libre, libéré de tout. Je te dis gloire à Dieu, merci Jésus. On ne va pas oublier Ruth. C'est un âme exercée. Un âme exercée veut dire quand Ruth est sortie de sur la case pour y aller travailler. Quand il retourne la case, amène manger la case pour se polier sur le meilleur. Ça fait un âme exercée. Si vous êtes péché, non, ce n'est pas péché, péché, poisson. Péché, les gens me fait péché. Si vous êtes péché, poisson. Si vous ne sortez pas de la paix, vous allez courir ou venir. Vous allez guérir au poisson. Vous amène à la case. Pourquoi? Ruth tient la main exercée. Il travaille pendant toute traverse. Ça peut être la main exercée. Le récolte, il commence. Il travaille. Jusqu'à ce qu'il récolte fini, il travaille. Une main exercée, c'est une main qui n'est pas relâchée. Une main exercée, c'est une main qui n'est pas fatiguée. Une main exercée, c'est connu. La saison récolte, il a besoin de travail là. Connu. Ça veut dire la main exercée. Et puisque sur la main tu exerces, gloire à Dieu, merci Seigneur. Boaz, tu demandes ça la main là en Moriaz. C'est ce que je peux dire, tu as dit là, si, l'histoire de Rebecca.
puisque tu l'amènes à m'exercer, je me voulais mettre la main au mariage. Man Boaz, vous pouvez dire? Man Boaz, pas man Zoaz. Zoav, voilà le son de Zoav. Pas man Zoav, man Boaz. Demande la main au mariage. Je te dis gloire à Dieu. Merci Jésus. Ah oui, l'histoire va être mort bien. L'histoire va bien. Tu gagnes, je les mort. Mais une partie, j'ai allé là pour le compliment. Boaz, je disais que ça va être un travail là. Madame, j'ai dit, bénis, bénis, puis travaille, pas parce qu'il travaille. Elle mange ici, elle va manger. Il qui commence à travailler. Quand tu as la main, il bénit pour le compliment. Pour un appraiser. Tout ça, il mange. Tout ça, il est là, il fit là. Ok, nous avons Boaz. Ah, Boaz, moi, je suis content, c'est toi, Boaz. Sur la main, tu bénis, ça gorge moi. Tellement sur la main, tu bénis. Il rend le carreau, Benjamin, bénit, il bénit, Benjamin. Et tu bénis de ce business, ça, Boaz. Parce qu'il tient la main exercée. Et tu bénis de le ministère. Quel ministère, Boaz, sinon? Représente Jésus. Quel ministère, Boaz, sinon? Représente Jésus. On pose une question. Quel ministère, oui, non? Représente Jésus. Un ministère, ça? Be like Christ, Christian. Ah, mais je crois que mon ministère prêcher. Avant qu'il te prêche, présente produit là bien. Pourquoi te prêcher? Représente Jésus-Christ. Be imitators of God, la Bible dit. Pareil que moi, je suis l'exemple de Christ. Suive-moi l'exemple, Paul pour dire. Suive l'exemple de Christ. Pour moi, Boaz, il bien rempli ce ministère. Surtout quand il y a un code rédemption, tout ça là. Mon frère aussi, elle l'a exercé pour vous représenter Jésus bien. Je te dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous venez de l'a exercé? Comme Ruth pouvait devenir que de solipier avant mariage, un homme exercé, des petits couverts Ruth, des parties tous Ruth avant marié, ça s'appelle un homme exercé. Un homme exercé, c'est pas un homme qui peut abuser de bandimon. Ça s'appelle un homme exercé. Un homme exercé veut dire qu'on attend, ou l'air. Un homme exercé veut dire qu'on pas pour faire violence, c'est qu'un dimon. Un homme exercé, gloire à Dieu. Mon frère, je lis un verset, Ruth 4, verset 9, laisse nous lire ça. Merci Jésus. Et il y a une parole prophétique pour beaucoup en menu là. Il y a une parole prophétique pour beaucoup en menu là. Vas-y. Ruth 4, verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai appris de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kirjon et à Ma. Un lamin exercé, c'est un lamin qui est capable d'acquérir un héritage. Un lamin exercé, c'est un lamin qui peut acquérir un héritage. Voilà mon acquérir de la main de Naomi par rapport à redeem the inheritance. Pour débarrer de la vie. Puisque bon Dieu, il bénit travail pour la main. Pour la main pour acquérir un champ. Pour la main pour acquérir une quitteuse. Et moi, Dieu nous a fait une façon pour les saints. Si Boaz n'a pas chassé sa terrena là. Si Boaz n'a pas chassé sa terrena là. Naomi, tu risquais de perdre sa terrena. Puisque terrena risquait de racheter comme un visage. Non, son mari ne continue de signaler. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si on prend l'homme, passe dans la case. Mortgage, moi, j'ai mortgage. Garantie. Si on met dans la case, comme une garantie, mais qui veut dire dans la vie? Pourquoi on ne perd pas la case? On n'a pas pour perdre la case. Pour mettre la case à garantie, on n'a pas pour perdre la case. La Bible dit moi ici, Boaz, si vous venez tirer ici, acquérir. Pour déclarer, vous pouvez acquérir vos propriétés, vous gâtez un peu flat. La tête ou Katan, dans le nom de Jésus, ou la main en exercice. On va pas oublier David. Nous commençons à se avec David. Comment on va oublier David? Quand tu sais sur la main exercice, il te rappelle Roussa. Quand il a voyé comme ça, BAU! Dans le fond direct. Dans le fond Goliath. Qui a été sur la main exercice? Écoutez ce que vous me dites, moi. Quand Dieu nous donne la main exercice, il a accuracy. Écrire ça qui porte. Hans, tu peux écrire, mettre en bold, italique, underline. Mettez bien. Quand bon Dieu demande la main exercice, il a accuracy. Quand il vit sa front, sa bouge là, bah, on dirait. On va dire David et Goliath là. Quand bon Dieu bénit ta main, mon ami, quand bon Dieu rend mon ami exercé. On pas besoin de boum pour tuer Goliath. On pas besoin de mitraille pour tuer Goliath. Non. Un rose, assez pour tuer Goliath. Parce que l'onction là n'est pas de rose, l'onction est de mon ami. C'est mon ami. Le deux amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Il paraît quand les tiens là pour gouverner, et tu gouvernes avec la sagesse de Dieu et la vie. Il paraît quand les tiens un instrument, et tu plais ce qui est folie. Il paraît quand les tiens là pour la guerre pour le lion. Pourquoi on fait que sur la main? C'est parce que sur la main exercée. Ou la main est la main exercée. Ou décide n'importe quel lion qui vient devant vous. Parce que la main exercée. Qui l'examen, qui assignment peut venir comme un monstre devant toi? Qui avait pu venir comme un monstrueux devant toi? Dieu te donne la main exercée. Tu peux décider ça, tu peux démolir ça. Et pas de mains égardées, comme on nous dit en créole. Je dis gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous lisons Galates chapitre 2, verset 9.
Là-bas, c'est un joli verset qui cause un exercice. Galates chapitre 2 et le verset 9. Merci Jésus. La Bible dit là-bas, tenez-moi la main d'association dans le ministère. Nous commençons ici, nous parler d'un chou. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Mon frère, c'est que bon Dieu demande à m'exercer et pasteur dans le ministère. À cause de bon Dieu, tout ce qui me dit est bon là, tout ce qui me dit il paraît ou la main exercer ou bien quelque chose pour. Mais n'a pas oublié, mon frère, monsieur, bon Dieu, béni travail ou la main, bon Dieu, il béni ou il a la main exercée pour aider ou pasteur pour servir bon Dieu. Ici, Paul dit Seigneur, Paul m'écrit, il dit, je donne-moi la main d'association à moi, Paul, et à Barnabas. Ça veut dire ça. Allez lire différents versions de la Bible, allez étudier les jeux de même. Je demande bon Dieu, comment est-ce qu'il m'a aidé, mon pasteur? De quelle façon m'a aidé l'église? De quelle façon m'a capable d'aider l'église pour ouvrir là? Peut-être que vous êtes du monde pour faire un grand nettoyage dans l'église. Est-ce que vous l'avez exercé pour venir faire un grand nettoyage? Peut-être que vous êtes à la caserne, peut-être que vous êtes servi de vous laver, peut-être que vous avez envie de repeindre l'église un coup là parce que vous l'avez tombé des trois jours pendant qu'il y a un confinement et puis la peinture est aussi de Mirail. Est-ce que vous l'avez la main exercée pour aller vous repeindre? Peut-être que vous avez gratté l'enseigne. Est-ce que l'enseigne est fini? Vous avez gratté l'enseigne, remettre l'enseigne Full Gospel Church LVD, remettre le man horaire. Vous pas besoin d'un PLN, vous remettez bien l'heure. L'heure, qu'il y a 10 jours dans la réunion. Est-ce que vous l'amène la main exercée ou nous, les pasteurs, nous réécrire ça, nous remettre ça dans l'église? Est-ce que vous l'amène la main exercée? On trouve un meuble dans l'église, il commence, tu la gagnes, il commence à tomber, meuble là, pourri. Est-ce que vous l'amène la main exercée pour démonter ça, pour mettre ça dehors, dans c'est un nouveau meuble dans l'église? Pasteur peut besoin de caméra dans l'église pour filmer, pour commencer à faire live dans l'église même. Est-ce que vous l'amène la main exercée ou capable d'aider pour faire ça? Ne peut mettre internet dans l'église, ne peut payer, allons dire parce que 1200 roupies, mais 1500 roupies pour moi, sinon c'était un wifi pour mettre dans l'église. Est-ce qu'il vous l'amène à m'exercer, capable de donner un coup de main, un amène d'association, de faire cellule pour tout? Est-ce qu'il vous fait au voisin, au camarade, aux familles, un cousin, hey, venez, il peut faire la prière contre moi là. Il n'est pas t'invité longtemps quand tu fais la prière contre lui. Quand tu fais la prière, un la nuit, il dit, oh lui. Quand tu fais la prière grand du monde, il dit, oh lui. Tu finis finalement l'enterrement, il connaît ton mission, il connaît ton Jésus, même ça, il dit, toi, il peut faire la prière 40 jours, il va te dire, toi, mais toi qui fais connaître cellule, que toi, tu pas qu'à dire, assister cellule, tu peux bénir, bénir, parce que tu peux prêcher là, mais qu'écoutez, tu n'as pas besoin de faire un lien, même tu peux faire le bas, play, mettre ton portable au WhatsApp, faire quelque chose, donne un la main d'association, un la main, coup de main, un la main pour aider, pour amener la dîme offrande, pour amener la Sainte-Seine, pour compte la dîme offrande. Vers la Sainte-Seine, peut-être qu'il commence à avoir une tasse ou bien sans oser. Sans oser, mon frère. Pas besoin d'un pasteur pour dire ça. Par le fond, tu es même une vieille. Prends-le même la case, nettoie-le, répète-le si besoin. Réveille-le si besoin. Regarde-nous l'exemple après l'exemple. Où il arrive, où donner la main d'association à Jésus et à Jésus sur l'église. Moi, tu as un joli amen. Vous connaissez, dans mon église, c'est comme ça. Une madame fait un petit bébé, pas avec un monde péron. Ben, frère, ma pasteur, ben, madame, pas avec un monde péron. Dans une semaine, Dieu a le pouvoir, l'argent. Je vais dans l'équipe un jeune, je vais aller, je fais un nouveau main courante, une soudaine paix tirée. Et gloire à Dieu, que ça veut dire ça? Ben, là, donner la main d'association, un coup de main. Moi, t'as un joli amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. À cause de toi, ou pas pour continuer la boule ou l'église, mais moi, pensez que je suis bien content qu'on est capable de donner la main à ce chercheur de l'église. Nous, d'un coup, elle la main exercée, qui va nous faire, il ne faudrait pas les faire. Elle la main exercée, donc, mais que ça veut dire? Pas un lame exercé. Pas bien. Quand est-ce que tu es belle, un lame exercé, ça? Est-ce que comme on lame exercé, comme on lame entraîné par mon Dieu, comme on lame béni, ma tue, mon frère, ma tue, mon sœur? Non. Tu vas me dire que je vais venir commenter, je vais commenter, zouré, je vais venir commenter, quand le pasteur vient prêcher, je vais pas dire que je suis chrétien, je vais venir jouer quelqu'un. C'est pas un lame exercé qui fait ça. Au contraire, un lame exercé, tu peux dire, pasteur, gloire à Dieu, mon béni, tu vas avoir une parole d'encouragement. Un lame exercé, ça va pour prendre rose pour écraser un ministère. Un lame exercé, ça va pour prendre rose pour tuer ton frère et ton sœur. Un lame exercé, c'est un lame qui est pour aider, pour grandir, pour bâtir, pour nourrir ton frère et ton sœur. Je te dis gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut dire un lame exercé? Jacob, tu mets fausse. Fourrure. La cause animaux au lit, pour monter sur la main, sur papa. Pour faire sur la main, parce que comment la main sur frère. Pas la main exercée, ça, mon frère, mon sœur. La main déception, ce n'est pas la main exercée, ça. La main coquin, ce n'est pas la main exercée, ça. La main pour décevoir le ticket, ce n'est pas la main exercée, ça. Non, 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 non. La main exercée veut dire, ok,
si vous êtes choisi là, faites-le. Prenez les audits, dites bon, servez-toi aujourd'hui. Moi, faites-le, qui nous a fait un petit peu moins bon, faites-le, bon Dieu vous bénit moi après. Ça fait ça dans mes exercices, ils n'ont pas couillonné. Je dis j'ai gloire à Dieu. Pendant frère Joseph, tu décides sur l'aise, tu mets 10 ans sur l'aise, avec ça la main exercée. Non! Jamais la main exercée pour décider à l'aise au fait au ciel. Décider à l'aise un petit fille, décider à l'aise un garçon, décider un ministère qui gagne. Jamais elle la main bénie pour faire ça. De même, l'élan, Géasi. Géasi, tu prends l'aise qui n'a pas besoin. Elle la main exercée, jamais pour prendre les affaires qui est interdit. Vraiment, à quand? À quand aussi tu fais ça? À quand? À quand? D'accord. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a une main exercée pour vendre Jésus? Allez, réponds-moi. Judas, tu vends Jésus. Et tu as la main, tu prends l'argent et tu vends Jésus. Est-ce qu'il y a une main bénie au sens de Zézi? Pasteur peut prêcher 8 heures, peut-être tu commis 8 heures. Pasteur peut prêcher c'était réduit dans deux, ou bien pasteur peut prêcher c'était peu importe qu'il est, ou pasteur peut prêcher ou échanger, ou préfère guider le programme au lieu où pasteur peut prêcher avec vous. N'a pas vendre Jésus. Elle a la main exercée, il n'est pas comme ça. Ça. Amen. Est-ce qu'il y a un exercé qui saute le Samuel, qui déchire Samuel sur l'aise? Ça ne veut pas dire. Le roi Saül, qui saute le Samuel, qui déchire Samuel sur l'aise. Est-ce qu'il y a un béni, un exercé, en disant que le fanau au pasteur, la guerre au pasteur, ou non, au point, on vit au point, on vit monter au pasteur au point. Non, un exercé, ça ne veut pas faire ça. Au contraire, elle a même exercé, vous dites, ok, pasteur, moi tu pensais comme ça, mais fais rien, peut-être une raison, mais fais comme un haut, puis dire pasteur. Ça fait un amé exercé, un amé béni. Il n'a pas au décider au pasteur. Il va avoir une message, pas qui qualité vous décider au pasteur. Il va avoir un pasteur, un message, ça, vous tirez photo à l'écran, vous savez tout le monde dans l'église, vous montrez tout le monde. Ça, c'est pas l'amé. L'amé exercé, bon Dieu n'est pas en train de l'amé pour faire ça. Voilà. Dieu n'est jamais pas en train de l'amé pour faire ça. Et qu'un lettre anonyme, après qu'on finit par mettre le nom, peut le lire, peut se le dire, et les amis manquent. Mais c'est moi ce qu'ils ont réalisé. Un jour, la façon de causer, comme ça, d'écrire les. Comme on peut dire à l'état, on fait comme ça que dire ça. Parce que la façon de causer, par le mot qu'il servit, la façon de causer, comme ça, il écrit les plans. Après, il va mettre ce nom. Moi, pour les mots, il dit. Quand on a l'église, on dit, vous êtes un qui vient d'écrire l'état anonyme, moi, bénis ça, Jimon. Jimon, on dit ça, ça, ça. Il n'est pas vrai. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et elle l'a main exercée, elle l'a main pour toucher l'os de l'alliance. Qui s'est arrivé? Uri, Uza. Uza. Uza, c'est tous ce qu'il n'a pas besoin de toucher. Tous l'interdit. Puis c'est moi en place. On n'a pas tous la gloire. On n'a pas qu'arriver dans la vie. Dire gloire à Dieu. Seigneur, moi, je te donne la gloire. Tu as bien senti des outils à frère. Gloire à Dieu. Ou bien fait tes affaires, des outils à serre. Tu la gloire de Jésus. C'est la grâce de Dieu. Pas tous ce qu'il vous conduit. La Bible franchit. Malgré nous. Pendant le confinement, ou bien on la paye, ou bien au bonus, ou bien au. Comment on appelle ça? À la pension. On est au bon Dieu. Bon Dieu, puis qui t'a dit. Tiens, on l'offrande. Comment? Parce que Romain, tu dis, mets dans l'enveloppe. Quand arrive dimanche, quand on a déconfinement, premier dimanche, ou bien premier réunion du pasteur pour faire. Ou on est au bon Dieu avec tout. Ou on est au bon Dieu. Ou on est au bon Dieu. Je te dis, gloire à Dieu. Et un. Mon besoin, c'est ça, vous l'avez dit. Elle l'a même exercé, ça met beaucoup d'oreilles du monde. Pire. Puisque bon Dieu ne t'a la même exercé, t'as pas coupé d'oreilles du monde, ni du monde, la peine du monde, ni coup du monde. T'as pas beaucoup de noyaux du monde. Elle l'a même exercé, pas beaucoup de cœurs du monde. Fais mal à faire pour pas blesser les cœurs du monde. Ah, pasteur, ça veut dire que j'ai besoin de la même exercé. Je vais dans le Nouveau Testament rapidement, rapidement. Deux minutes, rapidement. Quatre camarades amènent un camarade que Jésus. Moi, je veux ça, la même exercé. Elle l'a même exercé pour content sur un camarade qui a l'évangile. Ben, d'ici, tu prépares la somme pour que Jésus vienne prendre la Sainte Seine. Après ça, la main exercée. Tu prépares la réunion là pour que ton pasteur vienne pour faire réunion ou bien pour Jésus manifester sur la gloire. Après ça, la main exercée. La main exercée, il dit, moi, ramène. Parce que Jésus, j'ai moi, à d'un fond. Moi, ramène. Pour que Jésus prenne sa parole de Dieu. Mais pasteur, vous avez ramené à moi. Tu as besoin de ramener. Tu as besoin d'Internet. Tu as besoin de setup Zoom. Tu as besoin de faire tout ce qui est bizarre pour que Jésus assiste devant toi à l'y prêcher. Voilà. Elle a main exercée. Elle a main exercée, mon frère, mon Seigneur. Il va faire gaspillage, il ramasse ce qui est resté. Quand Jésus t'y mutupé 5 petits pas de poisson, puis Jésus t'y tire. Ramasse ce qui est resté. Elle a même exercé. Pour vous dire, 3 versets et puis nous allons terminer. 2 Samuel 2, verset 7. 2 Samuel 2, verset 7. Now, let your hand be strengthened. 2 Samuel 2, verset 7. Fortifiez-toi la main. Fortifiez-toi la main. Maman, tu as déposé toi, un jeune garçon. Un jeune garçon. Et bon, je. Fortifier la main physique,
fortifiez-toi l'armée, spirituellement aussi. Fortifiez-toi l'armée par la parole de Dieu, par confession de la parole de Dieu. 2 Samuel 2, le verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Nettoyez-toi la main. Après, tu nettoies tous les cœurs. Nettoyez-toi la main. Après, purifiez-toi les cœurs. Dans nos adversaires, il va te purifier tous les cœurs avant. Et j'ai nettoyé-toi la main. Jacques, chapitre 4, verset 8. Et je dois nettoyer-toi la main. Garde-toi la main propre. Entraîne-toi la main. Servis-toi la main bien. Et vous trouvez ça automatiquement pour réfléchir de tous les cœurs. Et une purification de tous les cœurs qui peut arriver. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Un mot contre ça, verset 1, 22 montagnes blanches, c'est un nouveau verset qui nous commence à confesser. C'est un nouveau verset qui nous commence à confesser. Genèse 43, verset 12. Genèse 43, verset 12. C'est un nouveau verset qui nous commence à confesser toutes les semaines. Double money is in my hand. En français, comment dire ça? Prenez avec vous de l'argent au double. Prenez avec vous de l'argent au double. Bon, vous allez en anglais. Take double money in your hands. Et tu les mains avec moi. Et tu dis, Seigneur, doublez-moi l'argent dans mon armée. Doublez-moi l'argent dans mon armée. La Bible dit 5, Genèse 41, 28. Mon argent retourne mon poste. Nous connaissons ça. Genèse 31, 41. Mon appel pour venir soit plus. Nous connaissons ça. Faites un verset qui l'a vu venir. Genèse 43, le verset 12. Seigneur, doublez-moi l'argent dans mon armée. Vous prophétisez où l'argent vous doublez dans vos comptes. Vous prophétisez où l'argent vous doublez dans sa fin de que vous mettez là. Pas fin, F-U-N. Fund, F-U-N-D. Vous prophétisez où l'argent vous doublez dans sa stock que vous mettez là. Ça va nous faire que vous financez comme stock. Vous prophétisez où l'argent vous doublez, que c'est que vous gardez, on va louer. Mais un peu que ça envoie de l'argent. Où l'argent vous doublez. Et les versets de la Bible, ça, où l'argent vous doublez. Où la paix vous doublez. Merci Seigneur, merci Jésus. Jean 13, verset 3. Tout pouvoir il est donné de la main de Jésus. Tout pouvoir de la main de Jésus. Pour l'écho de Jésus. Tout pouvoir dans la main. Tout pouvoir dans la main. Il va vous donner le verset. Vous voyez Ephésiens en ce moment. Ephésiens, la Bible dit Jésus-Christ a tout quitté. Tout à fait. Tout quitté en bas les pieds Jésus. Tout quitté en bas les pieds Jésus. Il est avec l'Église, Jésus. Et l'Église, c'est l'écho de Jésus. Ça fait tout quitté en bas Jésus sur l'écho. En d'autres mots, tout quitté en bas mot les pieds. Covid en bas mot les pieds. Parce qu'il manque l'écho Jésus. Jésus la tête, maman les corps, tout qui sont en bas de pieds. Tout qui sont en bas de pieds. Confessez jusqu'à qu'il y ait une réalité de la vie. L'ennemi, les animaux qui peuvent dire en soi, la sorcellerie, le mauvais la prière, tout qui sont en bas de pieds. Amen. Je vous bénis par la parole de Dieu, je vous bénis avec ça. Travaille la main, il bénit. Dieu donne la main exercée. Ou un jeune, ou dans l'éducation, ou un travail, ou dans l'examen, ou dans le concours, ou n'importe quoi que vous pouvez faire. Travaille la main, il bénit. Jésus sur la main, comme le la croix, pour faire la main, pas comme que la main, il bénit. Amen. Alors, je vous fais revenir dans la prière et puis nous vous continuons. Nous disons Seigneur Jésus, nous te donnons merci. Ton exerce, entraîne, bénis, nettoie, molamé, vous confessez, molamé, en la main, exercez, pour faire du bien. Et non dans moi, de sa qualité, invention, créativité, pour qu'on pose les mains, ban malade, ban malade guéri. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas nous mentir. Si mon faire, les contraires, c'est qu'elle la main, exercer faire. Pardonne-moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je prends une décision pour consacrer mon la main. Mon croire, travaille mon la main, les réussir, les bénir, les prospérer. Mon père acquérir, mon champ, mon père acquérir. Ban properties, mon père acquérir, ban héritage, mon père créer, ban solution nationale et internationale. Et non dans moi, capacité, capacité, l'intelligence, savoir de faire, intellect et bon Dieu donné. Au nom de Jésus, mon la main, des papiers, aucun travail. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous passons un moment de vous prier. Vous connaissez pas mesure d'un banquier qui a fini de demander la prière. Et non, Benjamin Détroit qui finit qu'un test Covid. Et je ne dirais pas que nous test positif et nous partons un miracle. Moi, je crois qu'il est bon, j'ai un bon Dieu de miracle. Amen. J'ai un Dieu de miracle. Et nous vous priez pour. Même si vos enfants gagnent ça, il n'y a pas de ça qui gagnent ça. Un seul qui en a envie de dire, mais ça, c'est un pasteur connu. Mes enfants gagnent ça. Franchement, je me trembler. Je me trembler. Comment ça arrive? Moi, je commence à trembler. Je me prends pour faire tout ce monde sur nous. Et quand une seule fois, on me dit, mais sœur,
rapport là pédia ça ou qui ou pédia ou qui ou pédia c'est moi ah maman pédia Jean 19 verset 11 on vit que la pouvoir nos enfants mais quand ça parle là sur les guerres après un peu de temps quand les fêtes COVID disparaît de ses enfants. Si ton enfant vous dit, moi, il y a bien comme ça. J'ai Dieu qui guérit. Ne n'a pas venu par ce Romy pour inviter devant. Ne pour prier pour vous, et spécialement, ceux qui travaillent dans ma place, dans ma zone, ou qui travaillent dans ma place pour la COVID, ou bien de quel dire ou des disant COVID. Et nous, on connaît à Madagascar en ce moment, écoute-nous, parce que vous avez un pire, des Mauriciens, trois Mauriciens, qui disent, oh, dans Madagascar avec COVID, ça fait faner pour tout. Et si, Fanny? Jésus-Christ est en train d'avancer. Jésus-Christ est en train d'avancer avant ça. Pour poser l'histoire. On va dire à Pasteur Romy, pour prier pour vous. Recevoir guérison. Recevoir liberté de leur grâce. Merci Jésus. Sandra, la coupe, je vais dévider les déchets. Merci Seigneur. Moi aussi, j'ajoute un point. Pasteur Fintier travaille la main du béni. Ou la main du béni pour faire au ciel. Ça, l'écho qui est là, c'est Dieu qui crée ça. La main bon Dieu qui crée ça. Mes chers, si moi, moi, être humain, mon âme est béni, quand même, l'âme est bénie, il réussit. Mais combien plus vont être sur l'âme est bénie encore. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur. Si vous êtes malade, posez votre âme, vous priez, vous recevez sa bénédiction. Sa bénédiction. Et là, l'obéissance, ça donne. Automatiquement, vous l'avez pas pour bénir. Abraham, tu faisais obéir, bon Dieu, il allait faire le garçon sacrifice. Il va dire, il a travaillé, moi, je travaille à la coupe du bois là. Et moi, je qualifie, moi, je vais la coupe du bois. Il obéir. Le travail qui te faisait faire devait faire étoile d'être la mère obéir. Néhémie, tu disais obéir lui-même pour le bâtir, pour l'ensemble, pour l'instruction, pour faire ce qu'il faisait faire pour bâtir le mirail. Amen. Je suis pareil, mon frère, Seigneur, de l'obéissance. Pose dans l'est de malade, l'autre même. Seigneur mon Dieu, mon Dieu et toi, me déclarer, Seigneur mon Dieu, la vie est manifestée, toute part de cette écho. Me brise ma puissance, malédiction. Seigneur, la fille, vous êtes disparue. Là que tu veux te dire, pas capable d'y tu sais qui est malade, les autres sont pareils comme à nous. Là que je veux te dire, nous nous fans sans micro-plat, sans parterie là, sans maladie là, les autres aussi pour la vie, les autres aussi malades. Au lieu de toi, au nom de Jésus-Christ, déclarer cette créature si merveilleuse que Dieu fit créer l'homme, l'humanité. Vous déclarer à travers de nous. Et la guérison. La guérison est pose la main en malade, vous posez la main de vous-même. Vous aussi, faites ça pareil de tout. Pose la main de vous-même et déclare vous guéri. C'est une guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune forme maladie, pas qu'un bloc du système ou pas d'organe. Dans le nom de Jésus, vous déclarez, Seigneur, la santé de l'homme. La vie de Dieu peut manifester. Demande à la vie de Dieu dans un zone la source bénédiction qui est toujours pour les autres. Oui, Seigneur, de finir de victoire. Sans épreuve, là, il n'y a pas de Dieu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Romy. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il y a une parole qui m'a dit à l'époque qui gagne. C'est comment dire au Michel, il est décédé. Vous connaissez Michel? En même temps, vous êtes fait aux enfants à l'école, vous êtes fait aux enfants apprendre, vous êtes fait aux enfants mariés. Vous pouvez vivre tout seul, voilà. Voilà. Soit au Michel, il est décédé, ou bien vous pouvez vivre tout seul, vous avez des enfants pour élever. Écoutez ce qui m'a dit à vous. Un qui gagne dans la Bible, tu dis sa phrase d'une mauvaise façon, vous pouvez prendre comme une bonne façon. Quelqu'un a dit dans la Bible, tu dis, moi, les doigts. Mon petit pouce, les plus gros, que mon papa se mixe les bras. Hein, par son poids, mon petit, c'est un créole, mon petit, là. Mon petit, les doigts, les plus belles, que mon papa se gros mixe. Moi, mon papa régnait de sa pays, là, moi. Moi, mon petit, roi. Mon papa, son David qui disait ça. C'est vrai, gros doigts, mon petit, disait ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait, moi? Capable, vous ne m'y pas avec vous. Vous ne m'y pas avec vous. Venez ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Ou petit, les doigts, ou plus fort. Ici, comment dire, vous tenez Michel sur les bras avec vous. Prends sa parole à connecter, mon Seigneur. On n'a pas tout seul. Est-ce que vous avez rappelé un jour Jésus qui dit, by the finger of God, we cast out demons. Voici les doigts, bon Dieu, démons bizarres, mon frère, mon Seigneur. Sœur, on n'a pas tout seul. Père, votre qu'il a été. Ou pour capable, faire tous les deux enfants, tous les trois enfants, ou bien ses enfants qui viennent là. Mordi. Et bien, joli mordias, béni. Arrête de gagner tracas. Arrête de dire, tout seul, comment on peut rouler ça à casa. God will make your little finger stronger, more powerful,
dans the arms of your husband. Je bénis de nous avoir menés sur la vie. Pourquoi nous avons mis de nos enfants pour composer en ce moment? Nous pouvons prier un moment pour nos enfants sur l'examen. Et nous avons pasteur, vos enfants ça compose, pas comme économique, c'est pas quelque chose ça compose, hein? Ouais. Parce que quand il allait bien, il vient à la case, il commence à tousser ici. Nous pouvons prier un moment. Nous pouvons prier pour protection de mon Dieu quand ça va nos enfants n'ont pas aller. Nous pouvons couvrir notre place, notre classe, notre saisie, notre table que je parlais par le sang de Jésus. Nous pouvons prier quand nos enfants n'ont pas aller, les cas concentrés. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un pays qui parle, mais non. Sur lesquels tranquilles, il peut aller pour concentrer, il compose sur l'examen bien, et nous pouvons prophétiser bon résultat. Nous appelons l'église du Dieu vivant. Nous prions. Pasteur Adrien, tu peux ce message hier, non? Moi, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous pouvons prier dans le nom de Jésus. Pasteur Rathie, laisse-le prier un moment sur nos enfants. Et si vos enfants, là, vous pouvez poser en main, aux bons enfants. Tous les enfants qui sont là, et là, pour composer, posez en main pendant qu'ils seront pour prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez nous enfants dans le sang de Jésus. Quand je parle composé, je suis sorti dans la case, béni, protégé. Je suis sorti Parce que c'est toi qui exerces l'examen, Seigneur. Je loue toi, Seigneur, que dans ce pays, la rivière de la tête de la queue, je suis toujours en haut et jamais en bas. Je confesse, Seigneur, que dans ma meilleure résidence, Seigneur, je vais sortir premier, Seigneur, de ce classe. Je vais sortir premier, Seigneur, dans l'endroit. Je vais sortir premier dans ce collège. Je vais sortir premier dans cette école. Beaucoup que ce Seigneur, parce que c'est toi qui viens agir à travers de Dieu. Beaucoup que toi, Seigneur, à la vie de Dieu, instruit que je vais mettre. Je vais écrire d'une façon intelligible. Beaucoup que toi, Seigneur, alléluia, que tu avais révélé ma bonne réponse. Parce que toi, tu es le bon Dieu, Seigneur. C'est une bonne chose qui vient de toi. Beaucoup que toi, Seigneur, que tu as sa main en voilà, Seigneur, pour réfléchir de la gloire, Seigneur, partout que cet été. Je vais agir pareil comme les autres. Mais Seigneur, de la vie, je comprends Dieu, Seigneur, et pour faire la différence, Seigneur Dieu. Je vais vous troubler parce qu'il bon Dieu avec Dieu, Seigneur. Donne-toi la gloire, mon Dieu, ta merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. La Bible dit la prière fait vraiment juste une grande efficacité. Moi, on peut croire en l'état pour nous supplier, l'état, time, pour nous supplier nos enfants sur le papier d'examen. Amen. Dans ta présence, c'est la vie pour bien. Présence passante des temps passés. Dans ta présence, je révèle moi de l'équilibre. Dans ta présence, c'est la vraie liberté. Au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans ta présence, ma santé, le temps passé. Dans ta présence.
exauce ma force.